Bon, cher Beck, c'est toujours à l'affût. On est de retour à la ferme N. Morin. La nuit. Ça va ici. C'était pas là, ça, avant. On va faire attention aux mains, aux pieds. Il fait frisquet à soir. J'ai les mamelons sortis bien dur, man. Ça. Fais bien attention aux mains, aux pieds. C'était pas là, ça. C'était apparu, ça, ici, depuis la dernière fois. C'est un air climatisé. L'hiver en styrobousse. Il y a de l'activité ici. La dernière fois qu'on est venu ici, nous, pour ceux qui écoutent un petit peu les émissions là, qu'on met sur Sherbex Québec, on a entendu des bruits de chèvres. Des bruits de chèvres. À peu près à la hauteur ici. Pas envie de tomber, de me casser une jambe. Hey, c'est des vieux ballots de foin, là. Ça fait longtemps qu'ils font plus ça en carré de même. Là. C'est vieux, ça. Pas solide, solide. Oui. Glissant, puis pas solide, solide. Ici, le plancher va céder, ça. On va là-dessus, là. On va direct en bas, là. Ça fait longtemps, là. Les ballots de foin sont vieux, ici. C'est du très vieux foin. Je sais pas si quelqu'un peut répondre là-dessus, de ses commentaires en bas, si le foin peut s'alcooliser, là. Parce que ça, c'est des très, très vieux ballots de foin. Il y en a du foin ici jusqu'au fond là-bas. La machinerie. Ça, c'est récent, là. Encore mieux, oui. Ouais. Vieux filtre à l'huile pour un tracteur, probablement. Ou... camion. OK. On va descendre vers là-bas. Ah ouais, j'ai hâte de rentrer là-dedans, moi. On va descendre par ici. On est content qu'on n'avait pas on avait fait le tour. Ouais. On va être prudent, pareil. Pas se casser une jambe. Il y a tout ce tas de bois-là de la dernière fois. Où ça? Là, là? Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça weird. Mais comme je t'ai dit, la dernière fois que je suis venu, il y avait un char là. Donc, c'est pas juste que... hey, on dirait que la fenêtre est pétée. On va le dire quand même. Hein? OK. En tout cas, il y a des véhicules qui viennent ici. Hey, il fait pas chaud. J'ai foué la bois.
Est-ce que l'esprit d'un homme qui a déjà un ouvrier, qui a déjà travaillé ici, qui est ici présent? Quelqu'un qui pourrait nous répondre par oui ou par non? Elle n'est pas grosse, mais elle n'est pas petite non plus. Les bouteilles d'antibiotiques. Voilà. Entendu ça? Avez-vous entendu ça? Ça vient de là-bas. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un avec nous autres à soir? Par là. C'est spooky à l'os. Dans le coin là. Ouais, t'as plein ça. Là, là. La femme. Ouais. Elle bouge pas, la femme. Là, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fout là? Non, mais bizarre. Est-ce qu'il y a un esprit ici présent? Un gape. Peut-être la vague qui fait bouger quelque chose. Oh, non, non, non. Grosse toile d'araignée. Je sais pas, on la voit-tu? On la voit mal. C'est de la poignée que... Ah. On la voit. Assez bizarre, ça. Quand même. Un couteau à steak. Mes vieux box. Il n'y a vraiment rien à voir ici. Il y a les portes là, là, mais il n'y a rien au bord. Il y a juste la végétation. Petite souris en haut, là. Où ça? Elle tente les deux billes. Ah, regarde. Elle va sûrement popper ici, là. Est-ce qu'elle regarde? Oui, ah ben oui, je l'ai vu. Elle est là, là. Ouais. Ouais. Ah ben, Colin. À part des mulots,
Y a-tu autre chose ici? Y a-tu quelqu'un ici? Y a-tu quelqu'un qui a perdu la vie ici? Quelqu'un qui a passé sa vie à travailler ici, à traire des vaches, s'occuper des veaux? C'est quelqu'un, là, qui est parti sans partir. Quelqu'un qui a un message à passer? Hey, ça, c'est peut-être de la crotte de Milo, ça. On passe-tu par là? Pour ceux qui me connaissent, là, moi, il n'y a pas de fake là-dedans, là, c'est du vrai. Là. On est vraiment dans une ferme abandonnée, une ferme laitière abandonnée. Ouais, hein? C'est vrai. Ça va être pour nettoyer les clous, je sais pas quoi. Une porte là condamnée. Ouais, un vieux jigger. Oh, l'odeur de fumier est pas mal plus forte, ça. Ouais. 5500 livres, quand même, c'est pas rien, hein. Le Jigger, il sert à rien, ici, puis il servirait à quelqu'un à quelque part. Quand c'est ça que je te dis, le plancher est en train de céder, ici, là. Ouais. On est en haut, là, nous autres, tantôt, là. Hein? Ben, l'épandeur à fumier est drette, là, là. Ça a l'air lâché depuis la dernière fois qu'on est venu, parce que ce tuyau-là ne pendait pas de même. Si ce planche-là n'était pas de même, on était capable de passer. Ouais. On peut pas. C'est en train de s'effondrer. Ouais, littéralement. C'est en train de s'effondrer. Au lieu de faire des bruits, là, faites-nous un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce qu'on vous dérange? Voulez-vous qu'on parte? Moi aussi, il va faire plus chaud aussi. Ah, j'ai fret, je sais pas ce que j'ai, là. J'ai mis mon manteau de poule la soir, je sais pas ce que j'ai, là, sérieux. Ben oui, Mélanie, papa poule. Elle m'appelle papa poule. Ouais, c'est bizarre, par exemple. C'est abandonné de même depuis combien de temps? Moi, c'est ça qui me... Il me fait halluciner. Fuck. Wow. Il fait ça. OK. Des petites bouteilles d'antibiotiques. Arc. C'est quoi ça? C'est de la merde ou de la pisse ou je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Des champignons, je sais pas quoi, quelque chose de dangereux, je sais pas. Un pupitre, une cironde. Là, c'est la première fois qu'on vient aussi loin que ça, parce que c'est la première fois qu'on a des flashlights. Oui, effectivement. Ouais. Pupitre. Pour moi, il venait faire les mélanges ici, là. Ah, un inséminateur, ça. Ouais. Pour inséminer les vaches. Avec la personne s'assoyait ici, préparait les produits, il allait carrément inséminer les vaches, est-ce que ouais. Il y avait juste du troupeau avec l'inséminateur. Wow. Ici, c'était la place d'insémination. C'est pas une joke, là. Ça fait longtemps, là.
Il y a plein de fioles de médicaments. Ouais, il y a des fioles de médicaments, des seringues. Un là, là. Ça sent les antibiotiques. Ben, les élevés ouais. Sont tous après encore. Ouais. On va aller voir, ils sortent les seringues, là. Ouais. Toutes les seringues sont là. L'autre là. On est vraiment là, dans une ferme de terre. Un autre truc d'insémination. Ben oui, toi. Mountain Dew. On sait qu'il aimait ça le Mountain Dew. Ça, c'est dégueulasse. Tu vis de quoi par là? Non, c'est le panneau électrique que je te fais. Ok. Là, on s'en va dans la pièce de résistance, la maison. Bon, ça, je pense que c'était là, ça. C'était là. Mais les traces. Si le char vient par ici, on va faire une lumière. On se dirige vers la maison du fermier. Les bottes de cowboy. C'était weird, ça. Hey. On est venus, nous autres, là. Il y a quelque temps, là, ça. Les flèches sont encore là. Les balles de fusil aussi. Ouais. Généralement, où il y a des balles de fusil, il y a des fusils. Jamais, non, on n'a pas trouvé. Ah ah! Regarde la grosse cochonne, toi. Ouais, on touche. Quand? Il est mort? D'une shot, j'étais plein. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Moi j'ai encore du jus, moi. Ben c'est comme mon GoPro. Deux batteries, pack pack, 11 minutes, that's it. Ben, j'en reviens pas, là. Nous sommes de foi catholique, veuillez nous respecter. T'as de trouble avec ça, moi.
quoi ça? On a eu des affaires de films. Regarde, ça, c'était pas là, ça, la dernière fois. Non. C'était pas là, ça. Quelqu'un a repassé après nous autres. Est-ce que M. Morin est présent avec nous ce soir? Il y a encore des pots maçons, man. Là, là. Bizarre. Ça doit pas être mangeable. Claire que non. OK. C'est exactement ici, ça. Oui. Carrément, M. Morin. Carrément ici, dans le temps où ça devait être vivable. C'est ça. Bille. Les voiles de pierre sont les voiles de pierre sont les mêmes. Et ça, c'est encore du sang. Ça, c'est du sang, là. Ici, c'est du sang. Ça monte jusqu'à l'étage. Il y a une boule de quille là. Ben, il y a quelqu'un qui est venu boire de la bière ici. Claire. Ça, c'était là. Moi, d'après moi, il venait ici pour traiter les verres. Ben, tu sais, en tout cas, dans l'informatique, là, nombre de verres, comment c'était beau. C'était beau, ce mail, là. Regarde. On va travailler, ça sointe. C'est vrai que ça sointe, hein? Ça sointe. Je sais pas. En tout cas, quelqu'un avait travaillé fort dans cette pièce-là pour mettre ça beau. Pour une raison qui nous échappe. Ça, c'était là. Salle de bain, une bouteille de bière. T'as pas là l'autre fois. Ça, non plus, t'as pas là l'autre fois. Grosse mouche. Il n'y a plus rien. Ça, c'est du sang, ça aussi, là. Ça ressemble à ça. On va finir avec le sous-sol. Yes. On peut ouvrir la porte! Es-tu sérieux, toi? Je ne pense plus. Sens, ça. Capoté. Ça ici. On va monter les escaliers. S'il y a quelqu'un ici, je connais l'histoire, Monsieur Morin. Je sais que vous avez été ligoté, bâillonné et brûlé vivant. Si vous êtes encore dessus dans la maison, laissez-nous le savoir.
C'était un dépanneur, ça, ici, avant. Là. On est au courant. Ah, le grenier, c'est vrai, il est par là. Hein? Non, là. T'en souviens pas? J'ai la place du grenier, là. Ouais, mais c'est ici où il entrepose toutes les cochonneries. Et voilà. On y entre-tu? La dernière fois qu'on est rentré là, il y avait un gros... comment on appelle ça? Un gros raccoon? Ouais. A big fucking raccoon. Les bassinettes 1910, 1900, en tout cas début 1900. Pur disco. Plein de vieux patins dans le coin. Kitchen. Il me semble qu'il y a du stock en bois. Ouais, hein? Ouais. C'était... Il y avait des bureaux, là. Oh! Un déshumidificateur. Vieille chaise, vieille table, vieux meuble. Vieille chaise, ça, regarde, il y a des trous dedans. Ouais. Plancher pas solide, mon homme, j'irais pas trop loin si j'étais toi. Ah, j'en allais pas plus loin. Ben, le dernier coup, j'avais été jusqu'au bout, là. Ouais, je sais, mais là, j'ai pas l'impression que c'est solide. Ben, j'en allais pas plus loin. Je fais peut-être mon chicken, là, mais je préfère être chicken puis être en un morceau que de faire mon brave puis me manquer une jambe. Un train. Il y avait une boule de kiff là-bas en œuvre là-dedans, tu t'en souviens? Elle est là. Elle est carrément là. OK. Mais on va montrer une photo de ceux-là qui habitaient ici. Stéphane Bélanger. À la mémoire de Stéphane Bélanger. Hmm. 4 juin 74 au 24 novembre 91. Il faisait du karaté, lui. Les paroles de chansons. Au centre hospitalier de Côte-Cook. À l'âge de 17 ans. Mort de quoi? Et ça, j'essaie de l'avoir. Ça n'en parle pas. C'est triste. Mais il est peut-être ici. Le père Martin. Hein? J'arrive. Ah non, c'est hanté ici ou ça, là. Quelqu'un qui a squatté ici. C'est clair, là. T'as dit que t'as trouvé un bijou? Wow.
Porté disparu le 19 octobre 91, retrouvé le 16 novembre. Un album photo. Arrête là, là. C'est un album photo, ça. Oh. J'ai trouvé le jackpot là. Là, ça la donne un sens. Transaction au crédit. Bon, c'est son journal. Ok. Journal de travail. Et c'était bel et bien un fermier. Il me ça joue au bowling, ça c'est clair. Sa famille. Une cocotte. Ouais. C'est pas c'est qui, hein? Il sait c'est probablement avec son chum. Ouais. Bizarre. C'est biz. Allez, ça, cette bassinette-là, c'est pas jeune, là. C'est vieux, ça. Un petit peut se mettre la tête entre les deux barreaux puis se casser le cou. C'est oui. Plus légal, ça, là. Ça, non. Puis pas en tout légal, là. Monsieur Morin, êtes-vous avec nous? Moi, ce qui me fait halluciner, c'est cette chaise-là. Les trous dedans, là. Ça, c'est une chaise pour personnes âgées qui étaient incontinentes. Je suis prêt à parier dessus. Carrément. Et regarde bien ce que je vais te dire, là, mon cher ami. C'est la deuxième fois que je vois ça. Il y a un pentagramme dedans. Viens voir si ça vaut la peine. Là, regardez bien, les amis qui écoutaient le cher Bex. OK? Premier rond. Deuxième rond. Et tu as l'étoile qui part comme ça, qui monte, qui va à travers, qui descend, ouais. Et qui monte et qui redescend. C'est un pentagramme. C'est un symbole mystique. C'est la deuxième fois que je vois ça en pleine campagne ici. C'est weird à l'os. On le voit très bien que c'est un pentagramme. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Le monde était un peu plus croyant à l'époque qu'aujourd'hui. En partant. Ouais, ben, il y a quelque chose qui manque à mon instruction. Parce que pour moi, les pentagrammes, c'est démoniaque. C'est que ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que les gens. Ce que les gens ils faisaient ici, qui disaient qu'ils étaient catholiques, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Weird, ça, là, là. Ça, c'est fucking weird, man. Your table hockey. J'ose avancer. Je devrais pas, je le sais, mais j'ose. Faut faire attention ici. Comment ça? Les Bermuda. Hein? Ouais. Montre-moi ça. S'il y a un seul Black Widow, on vire ça de bord. Là, là. Parce que si ça meurt, mon homme, on meurt. Je sais. Où ça? Elle est là. Elle est noire, 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 avec une petite tache orange, là. Où ça? Où? OK, on s'en va. C'est un Black Widow. On s'en va. On se fait un autre passant au mal. Attends, c'est fini. On vient d'arrêter ça, là. Puis c'est. On sort la pièce tout. Oui, là-dessus, on sort ça. C'est dangereux. C'est une araignée hyper vénéneuse. Ouais, quand on tient. Il y en a un autre là. OK, non, je pense qu'on va sortir de la bâtisse.
dangereux. Là. Mais comment ça qu'il y a autant de blackouts là? I don't know, pas savoir. Mais tu te réalises que même s'il y en aurait une à terre qui te rentre dans le bas, c'est des araignées hyper agressives. Oh ouais, oh ouais, je te ferai tout pour OK, on descend en bas. On vient d'arrêter ça là. Yep, pardon. C'est du sang, ça, là. Il y a du sang, attends. Je ne cache pas le sang. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui est monté en haut dans le grenier, ici. Mais les coins de mur sont plus ancrés de bouche. Ouais. Que quand on est venu, ça dans la C'est fou la quantité de mouches, tu trouves pas? Oui. C'est anormal. Fais ça. Il y a quoi qui se passe ici de normal? De... Pas vraiment normal. Habituellement, ce que tire la vermine de même, c'est un démoniaque. Attends. Puis tu l'as vu comme moi, le pentagramme, là. Ouais, mais le pentagramme peut servir comme antipossession. Non, pas sûr, moi. Oui. Faudrait que je lise là-dessus. Mais n'oublions pas qu'ici, il y a quelqu'un qui est décédé de façon atroce. Il y a 85 ans. Fait juste faire attention quand tu passes proche des murs. Ouais, parce qu'on va peut-être faire les muscles, ces choses-là. Entendu la musique. J'ai entendu ça en haut. Moi, c'est pas en haut, j'entends ça, je pensais dehors. OK. Il fait déjà 40 minutes qu'on est ici, là. On va se rediriger vers la voiture. Ça, c'était creepy en passant. Creepy as shit. Hey, ma flashlight est morte one shot. Tu veux fucking nice? Non, là, il est correct, là. T'as pas tendu la vache? T'as pas entendu ça? J'ai entendu une vache. C'est parce qu'il n'y en a pas de vache ici. J'ai pas une vache, mais on entend des vaches. L'état. On va y aller.